ce sont tous des trésors nationaux. Ils ne sont jamais sortis du Quai d'Orsay. Jamais. C'est vraiment un événement inédit, ne serait-ce que par ce simple fait physique d'avoir sorti ces documents et ces traités du ministère. Ben alors, je suis un peu tendu, parce que tant qu'ils n'ont pas tous franchi cette porte, ils sont sous la responsabilité juridique du ministère des Affaires étrangères. À partir du moment où ils franchissent cette porte, c'est le petit palais qui prend la responsabilité. Après, je serai plus détendu. On a essayé que ce soit plus ou moins chronologique, mais un peu géographique. Elles sont tellement spectaculaires qu'on préfère les exposer. Je ne mesurais pas à quel point les archives diplomatiques contenaient des documents, des traités, des livres, des pièces qui racontent de manière absolument incroyable l'histoire de la France, des Français et du monde. Et en voyant ces traités, et puis vous pouvez voir les pièces absolument admirables que cela représente, j'ai l'idée que un lieu prestigieux à Paris puisse accueillir les traités les plus emblématiques. D'ordinaire, on choisit un peu nos sujets, mais là, Richard Wadin, le directeur des archives diplomatiques, a été l'apporteur d'affaires en proposant un sujet que j'ai trouvé d'entrée de jeu absolument passionnant. Après, la question qui s'est posée tout de suite, est-ce qu'on peut en faire une exposition qui soit une exposition dans un musée de beaux-arts, dans un lieu qui attire quand même beaucoup de public habitué à voir des grands tableaux, des sculptures. Mais le thème de la paix est tellement riche qu'on peut évidemment trouver des œuvres en rapport. Mais il ne fallait pas non plus diluer le sujet, vraiment réfléchir tous ensemble avec aussi bien les historiens du comité scientifique que les archivistes du côté des archives diplomatiques, que des historiens de l'art et l'équipe du Petit Palais, voir comment on pouvait non pas seulement illustrer avec des œuvres d'art, mais avoir un vrai dialogue sur le regard des artistes sur cette question de la paix, la façon aussi dont le pouvoir pouvait instrumenter les artistes. Enfin, c'est toute une question de propagande, d'histoire, d'évolution des mentalités qui m'a semblé au départ faire un ensemble un peu complexe à exprimer, mais au fil des réflexions, on a pu bâtir un sujet qui était du coup suffisamment convaincant pour que je le présente au sein de Paris Musée et qu'on se décide véritablement à s'engager pour ce projet. Donc le Millard, je pense qu'il faut le laisser dans la boîte. À gauche ou à droite? On ne sait pas. À gauche. À gauche. À gauche. Pour l'instant. Oui, voilà. Donc ça, ça va. D'emblée, l'idée, c'était pas évidemment de faire une exposition pour les spécialistes, car je vois déjà les historiens qui vont critiquer ceci ou cela, c'était pour le grand public, qui puisse avoir accès à ces documents. Et je me permets de signaler que c'est la première fois que le Quai d'Orsay, depuis son existence, 1589, offre au grand public ce qui lui appartient. Car l'État et le Quai d'Orsay, au nom de l'État, n'est que dépositaire de ce qui appartient à la nation. Comment choisir sur les 25 000 traités ce qu'on va présenter et pouvoir présenter les documents comme ça va être le cas dans leur majesté. Donc on est parti de choses extrêmement basiques qui permettent à tout un chacun de s'approprier ces documents. De chance. Alors,
J'ai l'impression que c'est une scène de chasse. C'est une couronne impériale. C'est vraiment la couronne impériale. Oui, impériale. C'est pas la couronne impériale. Impériale. La couronne impériale de France. Attention. Alors il fallait vraiment réfléchir à ce qu'on voulait démontrer sur les mécanismes de la paix, l'évolution à travers l'histoire, les regards, la question aussi de la réception du côté des peuples sur ces questions de paix, de négociation, ce qui était public, ce qui était secret, quel type de documents pouvaient être présentés, quels étaient ceux qui n'étaient pas assez spectaculaires, mais qu'il fallait évoquer peut-être autrement. Il y a évidemment des documents qui résonnent davantage d'un point de vue émotionnel que d'autres, mais avoir en main aussi bien le traité de Tilsit que la COP21, en voyant tout de suite le choc visuel que ça représente, c'est quand même assez exceptionnel, et c'est ce qu'on va essayer de transmettre aux visiteurs. Il y a plusieurs traités. D'abord, il y a la lettre d'or du royaume de Siam. C'est sous Napoléon III. C'est une lettre qui sera présentée dans cette salle et où le texte est gravé sur la lettre d'or. C'est un texte émouvant parce qu'il représente quelque chose d'assez inédit de relation entre cette monarchie et la France. Le but d'une exposition, c'est d'être un peu démonstratif, qu'on ait envie de rester, de continuer, que ce soit un peu haletant, qu'il y ait un début, une fin, des coups de théâtre. Et c'est vraiment ce qui a guidé toute l'équipe des commissaires, rendre digeste un propos qui concerne vraiment tout le monde, mais qui peut apparaître au premier coup d'œil un petit peu trop sérieux. C'est un processus qui doit être ouvert à tous les visiteurs, tous les citoyens. On est au service des œuvres. Je pense que c'est quand même la base, à la fois au service des œuvres et au service du discours, du point de vue développé par les commissaires. La scénographie doit faire pénétrer le visiteur dans un petit univers qui, quelque part, lui permet de sortir de ce qui se passe à l'extérieur, de s'extraire un peu du monde, de la vie de tous les jours, et de pénétrer dans un univers en soi, dans lequel il va pouvoir justement vraiment se concentrer sur ce qu'on lui raconte. Je pense qu'une exposition doit avoir un rythme. Il ne faut pas que ça soit quelque chose, comme je disais, de monotone, monocorde. Donc on ait des surprises, que chaque salle soit vraiment différente, d'avoir des points forts, des respirations, des éléments qui sont des chefs-d'œuvre. Hein, par exemple, cette représentation de la paix, alors qui n'est pas forcément un chef-d'œuvre, je dirais, pictural, mais qui a vraiment un sens par rapport à la thématique, et qui du coup est dans l'axe que l'on aperçoit depuis l'entrée, qui appelle le spectateur. Et puis ensuite, on passe plutôt sur les côtés, donc un côté, on ne voit pas toute l'exposition d'un seul coup, c'est-à-dire qu'on garde des effets de surprise. Et quelque part, quand le spectateur arrive, l'idée c'est qu'il ait vraiment une émotion en se disant « Ah, tout ça c'est vraiment à la fois très beau, historiquement très chargé ».
fait au bas du scotch. Ceux qui verront cette exposition, ceux qui prendront le temps de venir au Petit Palais pour regarder les traités, les documents, ils découvriront que notre pays a affronté des moments terribles, des obstacles incroyables, de tensions, de guerres, de difficultés invraisemblables, et qu'à chaque fois, notre pays s'en est sorti, et s'en est sorti collectivement. C'est même un témoignage que la construction de la paix, parce que bon, le thème c'est l'art de la paix, mais en réalité, le vrai titre c'est la construction de la paix. Là où notre pays est reconnu, et où les Français en tant que nation sont reconnus, c'est cette capacité à porter une parole de paix, que quels que soient les aspects les plus grands de notre histoire et les aspects les plus sombres, c'est notre histoire. Voilà. Elle nous appartient. Rien n'est escamoté, rien n'est caché des aspects les plus glorieux et des aspects les moins glorieux de notre histoire. On est un pays différent, chaque pays a ses différences, mais nous on a un truc en plus. On porte quelque chose, et ce quelque chose, on voulait le montrer. Prends-le, c'est un duo. Viens. Alors, c'est un duo. Donc, on repart. Ambassadeur, directeur, et souscrivez l'emprunt de la victoire. Souscrivez l'emprunt de la paix. Pour hâter la paix et la victoire. Plus ça vous va là ?